Est-ce que vous mesurez le mal que vous faites aujourd'hui? Le mal que vous faites pas seulement au travail et aux travailleurs, mais le mal que vous faites au pays et à la démocratie. Quand un membre du gouvernement dit « nous ferons tout pour que ce débat n'ait pas lieu », et quand aujourd'hui vous allez tout faire pour que le vote n'ait pas lieu à l'intérieur de l'hémicycle, dans l'Assemblée nationale, alors que ça concerne tous les travailleurs français. Non, vous ne voulez pas voter à l'intérieur de l'hémicycle, vous ferez tout pour que ça n'ait pas lieu. Vous faites aujourd'hui sécession d'un pays qui vous dit non. Qui vous dit non, vous savez, par 4/5 des salariés qui vous disent non. Qu'est-ce que vous faites à un pays quand, y compris, Charles de Courson devient symbole de la rébellion? Mais oui, ça veut dire que vous faites sécession aujourd'hui avec le pays tout entier. J'avais prévu de vous interpeller avec véhémence pour dénoncer les manœuvres auxquelles se livrent votre gouvernement et vos alliés pour empêcher un vote en séance plénière de l'Assemblée nationale, un vote ne serait-ce que symbolique sur le report de l'âge légal de la retraite. Mais au regard des événements consternants advenus ce matin à l'Assemblée, c'est avec une profonde gravité que je m'adresse à vous. Madame la Première ministre, les droits des oppositions politiques sont le fondement même de la démocratie. C'est à l'aune de ces droits qu'on juge la qualité d'une démocratie. Notre pays, à tous les échelons, national ou locaux, fait déjà pâle figure avec une hypertrophie des pouvoirs exécutifs et des assemblées réduites à leur seule fonction tribunicienne. Pour tous nos partenaires européens, régime parlementaire rompu à la négociation et à une certaine culture du compromis, notre régime politique est une incongruité, pour ne pas dire une aberration. Dernière preuve en date de culture politique très différente, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez remet son mandat en jeu après avoir perdu une élection municipale. Rien de tel chez nous, où le gouvernement avance en écrasant toute contestation devant lui. Ce matin, c'est bien plus que la bataille de retraite qui est jouée à l'Assemblée nationale. En torpillant une initiative parlementaire de l'opposition, en bafouant le droit d'amendement, en transformant le corset de l'article 40 en véritable étau, vous créez un précédent délétère qui menace de réduire à néant le droit d'expression déjà famélique des parlementaires. Madame la Première ministre, vous êtes une démocrate. Vous l'avez clamé ici même en juillet 2022. Comment pouvez-vous tolérer la dérive autoritaire dans laquelle le président vous enferme? Madame la Première ministre, d'abord l'obstruction, c'est vous. Toutes les règles, tordre les règles, ce n'est pas appliquer les règles. Madame la Première ministre, vous pouvez entrer dans l'histoire en ouvrant une page nouvelle de notre République parlementaire. Vous y entrerez, hélas, comme une fossoyeuse de la démocratie française. Merci. Allez, allez, on se calme.